Néfertiti, grande épouse royale du pharaon Amenhotep IV, mieux connue sous le nom d'Akhenaton, Néfertiti a de tout temps été glorifiée pour sa beauté. Elle reste l'une des figures les plus mystérieuses de l'histoire et une de celles ayant le plus fait l'objet de louanges. Une multitude de passages dithyrambiques s'attardent sur son éclat, comme celui-ci, inscrit sur une stèle d'Amarna. Éminence parmi les éminences par sa noblesse, immense en son palais, d'allure sublime, belle dont on se réjouit d'entendre la voix, et grande épouse du roi, sa bien-aimée. Maîtresse des deux mondes, Néfertiti, immortelle pour l'éternité. Voici son histoire. La gloire de Néfertiti a refait surface le 6 décembre 1912, lorsqu'un archéologue allemand, Ludwig Borchardt, a découvert un buste à son effigie dans les ruines d'Amarna. Ce buste, dont on considère qu'il est une des représentations les plus éblouissantes et les plus célèbres datant de l'Antiquité, semble être l'incarnation matérielle du nom de la reine, qu'on pourrait traduire par « la belle venue ». Pour bon nombre de leurs contemporains, les réformes religieuses et politiques d'envergure menées par Akhenaton occupent tout l'espace, tandis que Néfertiti ne joue qu'un second rôle de grande épouse royale, cantonnée à sa beauté et à son statut de mère. Des travaux universitaires récents révèlent qu'elle a en fait eu un rôle bien plus complexe et qu'elle a eu son mot à dire dans les affaires de l'État, et plus particulièrement dans l'instauration du culte d'Aton. La reine Tizi, épouse d'Amenhotep III, père d'Akhenaton, jettera le mauvais œil sur la belle Néfertiti, car son insolente beauté lui inspirera une haine féroce. Bien que n'étant pas la mère d'Amenhotep IV, elle fut la très jeune captive et princesse mitannienne à s'installer à la cour de Pharaon. Tizi séduira Amenhotep III, qui en fera sa favorite, et dès lors, son rôle de reine et d'ensorceleuse sera officiel. La jalousie dévorera donc la vieille reine africaine Tizi, et en réaction Néfertiti, la belle aux traits fins, décidera de ne plus adorer Hathor, le dieu préféré de la reine-mère. Alors s'insufflera l'idée du monothéisme, et Amenhotep IV, après avoir changé son nom en Akhenaton, va progressivement d'abord, puis plus brutalement ensuite, imposer la première religion énothéiste connue de l'histoire, privilégiant le culte du disque solaire Aton. Le couple royal décidera alors de la construction de la cité d'Amarna, située en terre vierge, et cette nouvelle capitale bâtie par le pharaon Akhenaton et sa reine rayonnera dans toute l'Égypte. C'est aux alentours de 1360, avant notre ère, qu'Amarna, sous le modèle de Karnak, comptera plus de 100 000 habitants, ce qui, pour cette époque, était déjà considéré comme une population importante. Des pyramides miniatures seront bâties, et même une créature légendaire ayant la tête d'un humain et le corps d'un lion prônera devant l'entrée de la ville. La puissance du pharaon Akhenaton était immense. Il était le bénéficiaire de l'imposant trésor amassé par ses ancêtres. Mais très vite, il laissera les affaires de son gigantesque empire à son épouse Néfertiti pour se consacrer exclusivement au culte d'Aton. La reine sera en quelque sorte l'architecte en chef pour la construction de la cité d'Amarna. Elle mènera aussi deux guerres, dont une contre une incursion soudaine et récurrente du belliqueux peuple hittite. Akhenaton est comme possédé par le dieu rayonnant, Aton. Chacune des portes de la ville sont représentées avec un disque solaire, évoquant l'unique dieu de la vie, Aton.
Alors, êtes-vous partant pour une petite visite privée? Si c'est le cas, suivez-moi. Le profil androgyne du pharaon tente à se confondre avec celui de sa reine. Néfertiti, seul maître du royaume, mènera une lutte intense contre les prêtres, qui, en cachette, continueront à honorer tous les dieux de l'Égypte. La reine mère Tizi, enfin, meurt, sans oublier d'avoir prononcé une malédiction à l'encontre de son beau-fils, le pharaon Akhenaton. Il y aura aussi un autre mauvais sortilège pour la reine Néfertiti, qui, pour le coup, ne semblait pas vieillir. Néfertiti, devenue une érudite, connaissait bien les usages du livre des morts et certaines formules magiques incantatoires, tentant d'annuler les sortilèges. Elle décidera très vite de se bâtir donc sa propre nécropole personnelle dans la cité d'Amarna. Mais l'ombre de la reine Tizi plane. Et elle restera toujours un danger pour Néfertiti. Les années passent et Akhenaton, devenu l'ombre de lui-même, ne sort plus de son palais. Aussi, les prêtres réfractaires décidèrent alors d'agir. Cela sera un assassinat par un empoisonnement très lent, mais incurable, pour ce malheureux pharaon. Plusieurs jours seront nécessaires à son trépas. C'est alors que, dans un dernier souffle, qu'il nommera sa femme, Néfertiti, pharaon de Basse et de Haute-Égypte. Sous sa protection, et celle du dieu Aton, Néfertiti régnera encore pendant 10 ans. Mais pour son peuple, elle était toujours Akhenaton. Ainsi, ses traits de visage devenaient très semblables à celui de son défunt mari. Le côté mystique de la dernière partie du règne de Néfertiti interroge. Bien que la dynamique ne soit plus de mise, le peuple restera encore à Amarna. Les prêtres responsables de la mort de son époux
était déjà depuis longtemps exécuté. Mais une force lente, pour recouvrer les anciens dieux se faisait ressentir, partout sur le territoire. Soudainement, Nefertiti disparaîtra de la scène politique. On ne la verra plus jamais. Ainsi, ses chants à la gloire d'Aton ne se feront plus entendre. Une première migration de dignitaires quittera Amarna pour un retour aux sources, donc direction Karnak. Quinze ans plus tard, la ville d'Amarna s'était vidée de son peuple, et seul le sifflement du vent du Tézer jouera encore une mélopée douce en l'honneur de ce couple maudit. Toutankhamon, leur jeune fils, accédera au trône d'Égypte à Louxor et épousera sa sœur Anxénamoun. Mais aussi, il tombera éperdument amoureux d'une jeune Mitannienne, rencontrée sur le champ de bataille. D'aucuns pensent qu'elle était la réincarnation de la reine Tizi, d'autres qu'elle pourrait avoir un lien avec la malédiction de Toutankhamon. Amarna sera rayée de la carte. Grande épouse royale du pharaon Akhenaton, Nefertiti a de tout temps été glorifiée pour sa beauté. Ses successeurs feront tout pour effacer son nom et son héritage. Leur histoire restera enfouie durant des millénaires. La découverte au début du XXe siècle du buste de Nefertiti est devenue un symbole de la beauté féminine. Cette stèle apportera à l'ancienne reine une notoriété mondiale et son allure sublime marquera à jamais le restant de l'humanité.